Salut, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir les signaux. Je rappelle que c'est la suite de notre formation sur Django, ok? Donc, nous allons voir déjà c'est quoi un signal, nous allons voir les post-safe et safe, la différence entre les deux aussi. Nous allons voir le pré-safe et nous allons voir le pré-delete, nous allons aussi voir le many-to-many change. Ok, donc, c'est quoi déjà le signal? Donc, je vais prendre cela par en utilisant un exemple pour vous expliquer, ok? Mais signal, vraiment, comme son nom le dit, c'est un signal. Donc, ça envoie un signal, une notification, quelque chose comme ça, ok? Donc, je vais prendre un exemple très simple, ok? Vous avez votre table ici, là. Vous avez, par exemple, la table des produits, ok? Ici, vous avez la table des produits vendus, ok? Ça, c'est la table des produits. Ici, ça, c'est la table des produits vendus. Maintenant, ce que vous voulez, c'est que lorsqu'un produit est vendu ici, là, ok? Lorsqu'on passe une commande ici et que cette commande, après, donc, est respectée directement, le nom de ce produit vient automatiquement ici, dans cette table, sans que vous ne créiez un formulaire pour... vous-même essayez de charger cette table, vous comprenez? Donc c'est automatique en fait. Lorsque quelqu'un passe une commande ici et qu'il l'achète directement, ça met ici que telle personne a acheté tel produit à tel montant. Ok? Par exemple encore, vous avez une table des commandes. Vous avez une table des commandes. Maintenant, cette table possède le nom, le nombre d'articles, le prix total d'articles choisi, et ici là, l'utilisateur peut par exemple choisir les articles. Ok? S'il choisit 5 articles, directement ça calcule automatiquement, ça met ici 5 et ça calcule le prix automatiquement. C'est pas vous qui remplissez, c'est pas l'utilisateur qui remplit. Donc c'est automatique. Ok? Donc c'est en fait ça le signal en fait. Ok? Le signal en fait, il y a, dans le signal, il y a deux personnes en fait déjà, celui qui envoie et celui qui reçoit. Ici, les deux personnes seront nos tables en fait. Là, il va y avoir une table qui envoie et une table qui reçoit. Et parfois, c'est la table qui reçoit, c'est la même table qui envoie. Ok? On va souvent parler des pré-save. Ok, donc on va expliquer tout ça dans le tutoriel. Ok, vous allez comprendre la différence entre tout ça. Mais c'est déjà ça le concept en fait. Essayer d'enregistrer des données dans une table, dans plusieurs tables à partir d'une seule. Vous comprenez? Essayer d'enregistrer les données dans plusieurs tables à partir d'une seule table en envoyant un signal. Ok, en envoyant un signal. Donc ça va être une introduction. Ok, je ne dis pas que je veux percer tout le concept des signaux ici, là. Ok, donc, ça va être une introduction. Donc, à partir de cela, vous pourriez aller plus en profondeur. Mais ce que je vais vous donner sera suffisant pour des projets minimes. Ok, voilà. Donc, allons-y très rapidement. Au niveau de Visual Studio Code. Donc, voici ce qu'on va déjà faire ici. Vous allez voir ici, j'ai mis achat. On a la table user, le user par défaut que Django nous donne. Ok, le modèle Django par défaut. Maintenant, on va avoir une table acheteur. Lorsque on crée un nouveau utilisateur sur le site, donc c'est un peu comme notre site, c'est comme un site de e-commerce. Lorsqu'un nouveau utilisateur crée un compte, directement, on va notifier la table acheteur pour dire que bon, voilà, un nouveau utilisateur vient de créer un compte. Ok? Donc, c'est un potentiel acheteur. Maintenant, on a côté marchandises. Par exemple, on a la table voiture. Ok? Une voiture, voilà, lorsque nous avons par exemple le produit voiture, ok? Lorsqu'il est créé, normalement, il est affecté à un acheteur. Ok? Ou bien il est relié à un acheteur directement. Donc, on va notifier les acheteurs en fait. Ok? Et là, on va voir la différence entre le post-save et le pre-save. Le
Pré-save et le save. Maintenant, nous avons la table commande. OK, maintenant nous allons voir le many to many change. OK, nous allons voir ça. Maintenant, la commande et vente. Donc, lorsqu'on commande, il y a une table commande, il y a une table vente. Une commande, dès qu'elle est validée, directement, elle part dans la table des ventes. Vous voyez un peu le concept. Maintenant, en dernière position, ce qu'on va voir un peu, c'est vous avez la table vente, ok, vous avez la table commande. Maintenant, si on supprime une vente, ça veut dire que la commande n'a pas été validée. Ok, donc on va, en fait, on va désactiver la commande. Grâce, si une vente n'a pas, si la commande a été introduite en vente et qu'après on supprime la commande, on supprime la vente, je vous l'ai dit directement, on désactive la commande automatiquement. Donc, on va faire ça avec le pre-delete, ok? Donc, allons-y déjà. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous allez déjà faire, c'est vous allez créer 3 à 4, attends, vous allez créer acheteur, commande, vente et voiture. Vous allez créer 4 applications, ok? 4 applications, c'est tout ce que vous allez faire. Voilà, dès que vous allez créer cela, vous serez au même niveau que moi. Donc, vous installez Django, vous créez un projet et vous créez ces 4 applications. Donc, on a acheteur, on a commande, on a vente, on a voiture. Donc, ce qu'on va faire déjà, j'entre dans My Project, je pars dans Settings, on va enregistrer ces 4 applications. Ok. Donc, la première application, c'est quoi? Acheteur, pardon. Acheteur. Ok. Deuxième application. Pardon. Deuxième application, c'est commande. Troisième application, c'est vente. Quatrième, c'est la table, par exemple, des voitures. Ok. Voiture. Voilà, donc on a enregistré cela, on va quitter. Maintenant, on va commencer par la première, on va aller dans acheteur, ok? Donc, je pars dans modèle, acheteur, modèle. Donc, on va créer un modèle ici, très rapidement. Je vais dire classe, ok? Maintenant, là, on va appeler ça par exemple... Bon, appelons ça buyer en anglais, buyer. On va dire model.model. OK. Ici, on va dire user. User égal, on va faire un model pardon. Dot one to one field avec la table user. La table user. On va dire, pardon, ici, on va dire onDelete égale model.cascade. OK. Donc, je vais importer la table user. Je vais dire from Django.country. Dot authenticate dot model import user. Ok, ici on va dire on va mettre actif. Si on va actif, on va dire model dot boolean field, on va dire default égale à false. Par défaut, l'utilisateur n'est pas actif. Ok, mais ce qu'on veut faire en fait maintenant, c'est quand je crée un nouveau utilisateur directement, ça me crée un potentiel acheteur directement. Je ne viens plus dans cette classe créée. Vous comprenez, je ne viens plus dans cette classe créée, mais ça me crée un potentiel acheteur directement.
Donc, on va faire un div, un string, self, deux points, return self dot user. Ok, je peux mettre son string. Ok, donc pour faire cela, on va utiliser un POSSAVE. Un POSSAVE, en fait, c'est quoi? C'est pour dire, lors de la création d'un nouveau utilisateur, que crée aussi directement, lors de cette création qui est un POSS, crée aussi directement pour celui-ci. C'est ce qu'on va faire. Donc, pour le faire, on va aller dans App. Ok? Je suis ici dans App. Donc ici, on va faire div ready self dot, on va dire import, ok, dot import. Et ici, on va dire import acheteur dot signal, ok. Mais je vais créer dans ce fichier signal. Donc dans acheteur, je viens faire plus. Je mets signal.py. Ok? Voilà. Donc, je rentre ici. Voilà. Je vais copier ce nom parce que je vais utiliser ça. Je vais aller dans init. Ok? Je vais dire default. Ok? Je vais dire default app config égal, on va mettre le nom de l'application acheteur dans configuration par défaut, ok, acheteur dot app avec s jusqu'à cette classe-ci que j'ai copiée, ok. Donc en fait c'est le chemin d'accès à cette classe acheteur config, ok. Donc si je rentre là, on a acheteur qui est le nom de l'application acheteur. On regarde, c'est bien écrit, c'est bon. On a apps, on a ceci. Donc on va aller maintenant dans signal, ok. En fait, si vous partez sur la documentation de Django pour la création d'un signal, vous allez voir qu'il y a deux méthodes, mais dans ce tutoriel je vais utiliser une méthode et le lien vers la partie de la documentation sera en description, ok. Vous pourriez voir la deuxième méthode. Donc ici là, premier truc qu'on va faire, on va dire from Django dot database from Django dot database dot model dot signal import. Bon, ici on va commencer avec le POSSAVE, ok. On va commencer avec le POSSAVE. Maintenant on a besoin d'un decorator. Donc je vais dire from Django dot dispatch import receiver. Ok, maintenant que j'ai ça, ici on va venir, on va mettre arrobase pour le decorator receiver. Maintenant on doit donner la méthode POSSAVE. Ok, POSSAVE. Maintenant on doit donner le nom de celui qui envoie le signal. Ok, on va donner le nom de celui qui envoie le signal. Donc ici je vais dire sender égal, on va dire user, parce que lorsqu'on a dit que lorsqu'on va créer un user, ça doit notifier directement l'autre table, la table qu'on appelait buyers, ok. Donc c'est user qui envoie. Or pour cela, donc il faut importer user. Donc on va dire from Django dot concrete, ok, dot c'est quoi là,
authentification, si je me trompe pas, voilà. .model, ouais, import user. OK. Maintenant que cela est fait, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une fonction diff, on va appeler ça post save, vous pouvez appeler comme vous voulez, post save create buyer. OK, j'appelle ça comme ça. OK, maintenant ici il faut donner un paramètre qui est sender. OK, et après on va mettre instance. OK, après on va dire created. Ensuite on va mettre le keyword argument. Bon, j'ai pas vraiment besoin de celui-ci. OK, deux points. OK, maintenant ici on va dire if created, ça veut dire que si celui-ci est créé, OK, si on a créé un nouveau utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? OK, si on a créé un nouveau utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais importer la table buyer ici. Je vais dire form django.concrete. Pardon, désolé, je vais dire form acheteur.model import buyer. OK, donc si c'est créé, ce que je fais c'est quoi? Je vais ici, je vais dire buyer dot object dot create. OK, dot create. Maintenant user, vous savez que il était lié à user. OK, si vous regardez là, vous allez voir qu'il y a un one to one avec et c'est user. OK, donc ici on va dire user égal, parce que on n'a pas besoin de préciser celui-ci. OK, vu que c'est un boolean et par défaut c'est false. OK, on n'a pas besoin de préciser ce champ. OK, donc ici on va dire user égal à instance. OK, en fait l'instance c'est quoi? Si vous êtes un peu familier avec Django ou bien avec Python, vous savez, instance en fait c'est ce qu'on vient de manipuler, ce qu'on est en train de manipuler. En fait l'instance ici c'est quoi? C'est la création d'un nouveau utilisateur. Ça veut dire que ce nouveau utilisateur directement est aussi affecté à buyers. OK, il y a une relation directement. OK, donc si je pars dans admin, j'enregistre cela, je dis from Django dot, pardon, from acheteur dot model import buyers. OK, ce que je veux faire donc c'est admin dot site dot register et là je mets buyers. OK, voilà, donc on va faire un migration. OK, non pas ici, voilà. Donc je vais effacer tout ceci. Donc ici c'est exactement ce que j'ai fait avant de lancer la vidéo. Donc j'ai créé un environnement virtuel, j'ai installé Django, j'ai créé un projet et j'ai créé ces applications tout simplement. Donc j'efface. OK, j'agrandis. Ici on va dire python 3 manage.py make migrations. OK, vente voiture, voilà, on a un problème. J'ose croire que ça doit être dans setting. Voilà, c'est ici.
cette virgule qu'on n'avait pas mis. Manage.py. On me dit quoi? Make. Ok, j'ai mal écrit migration. Ok. Voilà, c'est bon. Et on va faire migrate. Ok. Donc après ça, vous migrez. Et ici, on va dire. On va lancer le serveur. Run server. Ok. Donc on va lancer le serveur. On va rentrer au niveau de notre navigateur ici. Donc on va l'ouvrir. Ok, donc on va aller au niveau de admin. Donc avant d'aller au niveau de admin, vous allez me permettre de créer un SOPA user. Ok, donc on va créer un SOPA user. Donc je vais créer un SOPA user rapidement. Activate. Et là, cd my project. On va dire python manage.py make create SOPA user. Voilà, Donald. On accepte. Voilà. Donc, l'utilisateur a été créé. Donc, ici, on va aller dans admin. Voilà. J'ai encore mon mot de passe. Voilà, je suis connecté. Donc ici, on a BIOS. Si vous regardez BIOS, en fait, si vous regardez BIOS, lorsque j'ai créé Donald, il y a directement un Donald dans BIOS. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je n'ai rien mis dans BIOS en fait. Mais lorsque j'ai créé le SOPA user, directement ça a affecté aussi le SOPA user à BIOS. Regardez, on va rentrer et on va créer un autre utilisateur. Je pars dans la table des utilisateurs. Ok? Voici les utilisateurs. Je vais créer un nouveau utilisateur. Je vais dire at user. Je vais dire username. Je vais dire user number 2. Ok. Deuxième utilisateur. Mot de passe. Je donne un mot de passe simplement comme ça. Je fais save. Ok. Cet utilisateur a été créé. Ok. Ça a été créé. Maintenant, si je viens ici, je pars à la table. Je pars à la table de BIOS. Vous allez voir qu'il y a un utilisateur ici qui a été créé automatiquement. Un potentiel acheteur a été créé dans la table des user number. Ok? En fait, ça envoie un signal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Si je rentre dans signal. Et ici, je fais par exemple print ici je vais dire sender. Ok, je mets deux points, pardon, je mets deux points ici, virgule sender. Ok, ici je mets par exemple print instance l'instance, ok, instance deux points virgule instance. Je peux encore afficher quoi, created, voilà, print
created. Pardon, created. Ici, je mets virgule created. OK? Voilà. Regardez, il y a le sender, il y a l'instance, et il y a created. OK? Donc, si je reviens ici, je pars à la table des utilisateurs. Je crée un nouveau utilisateur. Je mets par exemple Mac. Si je mets Mac ici et je clique sur Create, ok. Si je viens là, dans le terminal en fait, donc si je viens dans le terminal, non, c'est pas notre terminal ici. Bon, attendez voir, je confonds le terminal. Voilà, ici. Si je viens dans cette table, vous regardez ici sender. OK? Sender, vous allez voir que c'est le modèle user qui envoie. L'intense, c'est le user qui a été créé. Maintenant, created, c'est true. OK, ça veut dire qu'on a créé quelque chose. Vous comprenez? Maintenant, regardez, si je repars dans le navigateur, voici l'utilisateur qu'on a créé. OK, j'essaie de remplir les champs. Je lui donne par exemple un first name, un last name. Rappelez-vous bien que ici là, create est égal à true. OK, parce qu'on a créé un nouveau utilisateur. OK. Donc si je viens ici, je mets le last name, je mets peut-être toujours Donald et je passe sur save. Je passe sur save. Voici ça, je clique save. OK. Voici l'utilisateur en question, Mac. OK. Maintenant, si je pars au niveau du terminal, vous allez voir ici maintenant que le sender, c'est toujours celui-ci. Le instant, c'est Mac, mais create est false. Parce qu'on n'a pas créé, en fait. On n'a pas créé. On a juste utilisé un utilisateur qui a été déjà créé. Vous comprenez? OK? C'est pour ça que j'ai dit que, parce que si vous ne mettez pas ça, vous allez créer plusieurs instances, plusieurs objets. C'est pour ça que j'ai dit ici là que if created. If created veut dire que si créé est égal à vrai, est égal à true. OK? Si créé est égal à true, ça veut dire si on vient de créer l'utilisateur, alors crée-moi une instance directement. Crée-moi un objet de bar directement. Vous comprenez ça? OK? Donc, maintenant, on va aller à K. Donc, je ferme ici. Je ferme ça. Je ferme ça. Donc, nous avons vu comment relier celui-ci, avec le post safe. Nous allons venir maintenant sur voiture et acheteur. Donc, je passe sur la table voiture, dans la table voiture, pardon. Voiture. Je pars dans modèle. Donc, on va créer un modèle ici, très rapidement. Donc, je vais dire classe. Je vais appeler ça car. OK. Model.model. Dans model.model, ici, on va donner quoi? On peut donner le name, le nom de la voiture. On va dire que c'est un modèle Chatfield. On va donner un Marceline, peut-être 100. OK? Maintenant, on va faire encore, on va donner peut-être le price. OK, le prix. Hein? Ça peut être un positif, integer.
Voilà, un positif integer, tout simplement. Ici, on peut encore donner quoi? L'acheteur, ok? Le buyer. Buyer égale à model. Ok? On va relier ça donc avec un foreign key. Pardon, oui. Foreign key. Et là, le foreign key, ça serait qui? Le buyer. Donc, on va importer buyer, ok? On l'importe dans l'application acheteur.model.buyer, ok? Maintenant, on va mettre un onDelete. onDelete égale à true. Pardon, égale à model, model.cascade. Ok? onDelete égale à model.cascade. Qu'est-ce qu'on peut encore donner? Le code. Voilà, on va donner le code. Son code, on va dire model.charField. Max length, on va dire 50. Ok. Ici là, j'ai écrit que je vais vous montrer la différence un peu entre le post-safe, le pré-safe, le pré-safe et le safe en fait. On va commencer par le safe. Ok? Et je vais un peu vous dire quand utiliser quel. Ok? Donc, je viens ici. Je pars dans admin. Je vais dire from model import. Car ici on va dire admin.site.register et on va dire car. Ok, ici je peux retourner div return, pardon, div string self dot return, je peux dire surf dot on va dire name, ok, surf dot name. Voilà, ici ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir ici, je vais créer une méthode safe, pardon, je vais créer une méthode diff que je vais appeler safe. Je vais dire surf arguments deux points return sopa dot safe et là je vais mettre arguments. Ok. Donc, ici, ça c'est la méthode save. Ok? Si vous regardez les autres, si vous avez regardé la majorité des projets que je faisais, pour entrer un champ rapidement, sans que c'est moi qui entre moi-même le champ, j'utilise le save. Donc, par exemple, le code, par exemple, je veux que l'utilisateur qui crée, par exemple, une nouvelle voiture, qui entre une nouvelle voiture, ce n'est pas lui qui entre le code. C'est le système qui génère le code. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais venir ici, je vais mettre blanc égal à true. OK? Je vais mettre blanc égal à true. Maintenant, ici, je vais venir, je vais dire if surf.code equal to empty. Donc, ça veut dire que si on n'a pas entré, je vais dire surf.code égale à string. Bon, je vais mettre un UID. Donc vous importez ça. Vous faites seulement import UID. Ça permet de générer les identifiants uniques. Ok? UID.UID.
UID4. Dot UID4. Maintenant, on va faire dot replace. On peut enlever ces tirets-ci qui seront là. On va enlever les tirets-ci. On va remplacer par rien du tout. Et on va mettre ça en uppercase. Hoppa. Ok. Et on peut prendre juste les... on peut prendre juste les 10 premiers caractères. Ok. On peut prendre juste les 10. Bon. On va... les 10 premiers caractères. Ok. Donc, je vais mettre ça en string. Cette partie-ci, je vais transformer en string. Ok. Parce que notre champ, c'est un char field. Voilà. Donc, j'ai ça. Ok. Voilà. Aussi basique comme ceci. Ok. Maintenant, on va enregistrer ça. Je vais venir ici. On va faire une migration. On va dire Python 3 manage.py make migration. Ok. Là, c'est bon. On va dire dans migrate. Cool. Ok. Voilà, on n'a pas d'erreur. Si on rentre au niveau d'ici, de home. Voilà, vous allez voir qu'on a K ici. Dans l'application voiture, on a la classe K. Donc, si j'ouvre, il n'y a pas de K. Si je dis augmenter, voilà. Ici, je peux donner le nom. C'est relié à BIOS. Ok, regardez. Si j'entre le nom de la voiture, j'écris par exemple lame, juste comme ça. J'entre le prix, peut-être 100$. Ici, là, je choisis... un buyer, peut-être Donald. Ok, mais dans ce code, je n'ancre rien sur le code. Ok, j'écris save, je clique sur save par exemple. Vous voyez que ce code est là automatiquement. Ok, ce code est là automatiquement. Le code est là. Ok, parce que ça régénère. Donc, avant d'enregistrer, ça régénère ceci en enregistrant en fait avec le save. En enregistrant, ça régénère ceci. Regardez, si je clique encore, regardez bien ce code. J'espère que c'est visible. Voilà. J'espère que c'est visible. Ok, regardez, si je clique sur Save, vous voyez que c'est le même code qui est là en fait. Regardez, c'est 13 fini par 2B. Ok, vous voyez toujours que c'est 13 fini par 2B. Pourquoi ça ne change pas? D'après vous, c'est parce qu'on a dit if serve.code égale à vide. Si c'est vide, ça change. Si c'est pas vide, ça ne change pas. Regardez, si je viens, j'enlève. Ok, j'enlève sa valeur et je clique. Vous voyez que ça change parce que c'était vide en fait. Ça change. Mais comme ça finit par DD là, si je reclique dessus, ça ne change pas. Ok. Good. Maintenant, on a fait ça avec le save. Maintenant, on va faire ça avec le pré-save. Et après, faire ça avec le post-save. La même chose. Ok? Donc, je vais venir ici. Je vais commenter cette ligne de code. Je vais commenter. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans app. Ok? Ici, on va dire diff. Pardon. On va dire diff ready. Self, deux points, on va dire import, ici on va dire voiture, dot signal, on n'a pas encore créé, mais on va créer signal, je vais copier ce nom-ci, maintenant je vais aller créer signal ici, signal.py. Ok, je pars dans le fichier init. Je vais dire, pardon,
dans le fichier init, je vais dire default app config égale. Ici, je mets d'abord le nom de l'application voiture, je mets le nom de l'apps et je mets ce nom de la classe. Ok, c'est bon. Maintenant, on va aller dans signal. On va dire from django.db.model.signal. On va dire import pre-save. Pre-save. Le voici. Voilà. Ici, on va dire from django.dispatch. Import receiver. Ok, et on va dire from.model import c'est quoi, c'est k, voilà. Après on va dire c'était acheteur dot model import on va importer son modèle qui était quoi, bars. Ok, vous vous rappelez qu'ici c'est nous qui avons choisi le bar. Ok, je veux que ça soit on choisisse cela bon, selon peut-être l'utilisateur qu'on vient de créer, voilà. Ou bien l'utilisateur qui est en train de travailler. Ok, l'utilisateur qui est en train de travailler. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va venir peut-être voilà, on va dire receiver. Ici on va dire pre-save sender. Le sender ici, on va dire égal, c'est K qui envoie en fait. Ok, c'est K qui envoie. Ici on va dire diff, on va dire pre-save create code. Ok. Maintenant, on a besoin de quoi? Du sender seulement, d'abord, de l'instance, ok? Et du keywords argument, ok? Là, je mets deux points. Maintenant, je vais rentrer juste ici, dans le modèle. Je vais copier ce bout de code. Je vais juste copier ça, pour ne pas le réécrit, et je vais coller là. Bon, ici ça ne doit pas être surf, ok, ça doit être instance, ok, ça doit être instance. Voilà, maintenant il y a quoi, ID, donc on va importer ça. Ok, voilà, donc déjà on va aller tester avec ceci si ça fonctionne. Ok, donc je viens ici, je vais effacer ça. Ok, on va essayer d'entrer, de faire un save. Vous voyez que ça génère. Ok, ça régénère. Ok, donc ça fonctionne. Donc si je réclique, vous voyez que ça ne régénère plus. Ok, c'est le même nom qui est là. Mais si j'efface, là, et si je clique, voilà, vous voyez, ça nous régénère un autre code unique. Ok. Voilà, donc rentrons maintenant et travaillons un peu sur l'utilisateur. Ok, maintenant que nous sommes ici,
On va rentrer ici. OK? Parce que le sender, c'était qui? C'était K. OK? Nous sommes d'accord que l'envoi, c'était K. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va dire, voilà, on va dire object égal, attendez, je règle quelque chose là. Donc, ce qu'on va faire, la relation qu'on veut faire entre le buyers et la voiture, c'est que, si vous vous rappelez dans la table de buyers, si vous vous rappelez, on avait mis un actif, si je ne me trompe pas, voilà, voici ça. Un actif égal à false, pour dire que cet utilisateur n'est pas actif. Maintenant, si on voit qu'il est relié à une voiture, on veut le rendre actif automatiquement. Donc, si on voit qu'il est dans, il est classé, donc ça veut dire qu'ici, il a choisi une voiture. Donc, on veut le classer en fait. Donc, on veut directement dire ici là que voilà, actif égal à true. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je ferme ici. Donc, je viens ici. J'ai dit object égal buyers. Buyers dot object dot get. Donc je fais un get. Maintenant ils sont reliés en fait. OK, parce que si on regarde le modèle, vous allez voir que il y a un relationship entre buyer, entre la classe car et la classe buyer. OK. Donc, si je viens ici là-dedans, j'écris, je vais mettre user égal, parce que dans buyer, on a user. OK, vous vous rappelez? Égal à instance, égal à instance dot, est-ce que j'ai bien écrit ça? Égal à instance dot buyer. Pardon, buyer, voilà, instance.buyer.user. OK, instance.buyer. Instance, c'est quoi l'instance? C'est la voiture qu'on est en train de créer. Il est lié, la voiture est liée à quoi? La voiture est liée à un buyer. Buyer, cela, c'est lié à quelle classe? À la classe buyers. OK, et la classe buyers possède le paramètre user. OK, si on regarde là, achat, acheter, voilà, il possède un attribut user. OK, j'espère que c'est clair. Donc maintenant, si on écrit ceci, et on vient maintenant ici, on dit object.active égale à true. OK, et on vient là, on fait object dot save. OK, ici en haut j'ai pas besoin de dire instance code dot save parce que c'est un pré, on sait que normalement celui-ci va fonctionner parce qu'il doit être un pré, en pré save. OK, mais celui-ci doit être en save. OK. Donc, si on teste ça, OK, si on regarde cet utilisateur, c'est Donald. OK, si on part à Room, on passe sur les utilisateurs. Voilà, ici on part, on regarde ici. Bon, ça c'est le SOPA user. OK, donc, il n'a pas cet attribut là. Si je regarde celui-ci, Mac, actif. Ah, je suis où là? Je voulais être dans buyers plutôt, pardon. Buyers, pas dans user. Buyers. OK, voici les utilisateurs de buyers, les potentiels acheteurs, pardon. Si je regarde Donald par exemple, vous voyez que actif, c'est non. OK, c'est non ici. OK.
Maintenant, essayons d'aller relier Donald à un objet maintenant. OK? Donc, si je viens sur car, je prends celui-ci. J'essaie maintenant de relier Donald à un objet. Donc, j'écris save, continue. OK? Maintenant, on voit ici que ça a généré son code. Maintenant, si on part, on regarde la classe des bears, on regarde Donald. Vous voyez que Donald est actif maintenant. Directement, Donald est actif. OK? Prenons un autre utilisateur. Prenons par exemple Marc. Vous voyez que Marc n'est pas actif. OK? Marc n'est pas actif. Donc, si je rentre dans la classe de car et je crée un nouveau truc, je vais appeler lambda. Voilà, je mets le prix. Peut-être 100 toujours. Ici, c'est Marc. OK? Je clique sur Save, on continue. Ça génère son code, très bien. Donc, on va aller au niveau de la table. On va aller au niveau de Buyer. Le voici. On va chercher Marc. Vous allez voir que Marc maintenant est actif. OK? Donc, maintenant, on va essayer de faire ça avec un pouce. OK? Donc, pour faire avec un pouce, ce que je vais faire. Je vais copier ça. OK. Je vais copier. Et comme j'ai copié, je vais commenter ceci. OK. Je vais coller ça ici. Ici, je vais mettre pause. OK, j'importe cela. Pause save. OK. Maintenant, vous rappelez qu'avec pause save, il faut dire created. Il y a un paramètre qu'il faut monter, par exemple, ici. OK. Maintenant, avec ce pause save, attendez, je mets cette virgule. Voilà. Avec le pause save, si je peux essayer de le faire, OK. Vous allez voir que il va avoir un souci. Regardez. Si je viens ici, j'essaye d'augmenter un nouveau truc dans car. Je mets par exemple lame 3. Je mets le prix 100. Je choisis l'utilisateur. Peut-être. Voilà, comme cet utilisateur, on le peut utiliser. On va aller regarder pour voir s'il a été enregistré. OK? Je mets celui-ci. Je ne mets pas de code. Je clique sur Save. Vous voyez qu'il n'y a pas de code. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il n'y a pas de code? Pourquoi le code n'a pas été généré ici? Mais si on passe sur User Number 2, vous allez voir que c'est actif. Si je pars, user number 2, il est ici. Vous voyez, il est actif. OK, comme je l'ai dit, il est actif. Maintenant, pourquoi le code n'a pas été généré? Le code n'a pas été généré, si vous avez trouvé, c'est bien, parce que nous sommes dans un pause. Et ici, là, on n'a pas fait un save. Parce que avec un pause, avec un post-save, ce n'est pas un pré-save. OK? Le pré-save, ça génère sans qu'on ait sauvegardé. Vous voyez un peu la différence? Donc, ce que je peux faire ici, c'est venir ici là maintenant. Je dis instance.save. Le true si a été changé parce que j'ai fait un save. Vous comprenez? Parce que j'ai fait un save. OK? Donc, en fait, ici là même, on pouvait porter tout ce bloc de code. On envoie juste ici à l'intérieur. OK? Et on n'est pas obligé de mettre ceci. Ce save. OK? Ici là, ça a changé parce que j'ai mis ce save. Maintenant que j'ai mis ce save-ci, vous allez voir que on n'aura plus ce souci. Donc, si je viens ici, je pars dans car.
je parle lame 3. Maintenant, ici, voilà, je vais juste recréer un autre. OK. Parce que même si je viens ici, là, je clique là, je fais Save and Continue. Vous voyez maintenant que là, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a un Save. OK? Il y a un Save. Voilà. Donc, si je reclique alors, Save and Continue, vous voyez que ça ne change plus. OK? Ça ne change plus. Ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Entre les trois? Quelle est la différence entre le save, le post save, voilà. En fait, ce que pour ma part, généralement, ce que je fais, c'est que lorsque je suis dans un modèle comme celui-ci et que le champ que je veux entrer automatiquement se trouve sur le modèle, comprenez bien, sur le modèle, ok, j'utilise le save directement. Vous comprenez? Maintenant. Donc, en fait, si, il faut que je redis, en fait, si le champ que je veux modifier ne dépend pas d'une autre application, il faut que ça soit clair. Parce que ça, c'est sur le champ, il est vrai que c'est un attribut de cette classe, mais si ça ne dépend pas d'une autre application, donc ça dépend uniquement de Python, du code brut Python, ou bien de certains noms venant d'ici, ok? Là, j'utilise le save. Maintenant, si ça dépend d'une application externe, d'une autre application, là, j'utilise donc quoi? Le post-save ou le pré-save. Mais post-save est un peu, comment je vais dire, un peu utilisé par tous les développeurs Django. Ok? Beaucoup de développeurs Django utilisent plus post-save que pré-save. Très rares sont ceux qui utilisent pré-save. Ok? J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc, on va passer à... On était ici. On va passer à command to... command to many to many change. Ok? Donc, allons-y très rapidement et travaillons dessus. Donc, je vais fermer tous les fichiers de l'autre application. Donc on va aller sur command. OK, nous sommes sur command. Donc on va aller dans le modèle. OK, donc je vais créer un modèle ici. On va dire classe, on va appeler ça order en anglais, command. OK, orders. Ici on va dire model dot model. OK. Donc, ce qu'on doit donner ici, on va donner le nom de la commande. Name égale model.charField. OK. Maxlen, pardon. Maxlen, voilà, on peut dire 100. Hein. Maintenant, le prix, la quantité commandée. Quantité. Je peux mettre juste comme ça, quantité. OK. Model. Dot positif. Integer. Tout simplement. Ici, on peut mettre prix total. OK, je peux mettre total price égal model dot positif integer toujours, tout simplement. OK. Pour ceci, je vais dire par exemple que qu'est-ce qu'on peut donner ici? Voilà, on peut dire par exemple qu'on va calculer les quantités automatiquement.
Ok, prenons juste comme un exemple. On va calculer les quantités de la commande automatiquement en fonction de la commande de l'utilisateur. Ok? Donc, pardon, ici, je vais donc mettre blank égale to true, null égale to true. Ok. Voilà, on va faire une relation. On va faire une relation avec la table des voitures en fait. Ok? Donc ici, on peut dire car égale à model dot foreign key. Non, ici, je pense qu'on est sur quoi? Le many to many. Ok, on est sur le many to many change. Ok, donc ici, on sait qu'un utilisateur peut prendre peut acheter plusieurs voitures. Ok, et plusieurs différents types de voitures peuvent être achetées par plusieurs utilisateurs. Donc, on va faire many to many. Ok, donc ici, on va dire many to many field. Ok, ici, là, je vais donc dire car. Donc, il faut importer cela ici là. Voiture.model.car. OK? Voilà. Maintenant que cela est fait, voilà, on peut faire un return ici, pourquoi pas pour donc diff surf, ok, surf dot return surf dot name. Voilà, on peut dire comme ça le nom de la commande en fait. Ok, maintenant on va enregistrer ça ici. Donc, je vais dire from model import order. Je vais dire admin.site.register et là, je mets order. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est on va aller dans apps. Ok, comme d'habitude. Voilà. Ici, on va faire diff ready surf 2 points. Ok, ici, on va dire import commande dot signal. On va créer ceci rapidement dans commande. Je vais dire signal dot py. Ok, signal dot py, et bien ici je vais copier ce nom de classe. Je vais me rendre dans signal ici, pardon, je pars d'abord dans init. On va dire default app config égale ici on va dire commande bien écrit apps bien écrit, on met ça. Ok, maintenant que nous avons fait ceci, nous allons aller dans signal. On va dire from django.db dot model dot signal import many to many change. Ok, après on va dire from django dot dispatch import receiver. Ok,
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de venir ici, on va mettre receiver. Receiver. Ok. Maintenant, ici, ce qu'on va faire en fait, ça va être un peu différent de ce qu'on faisait depuis là. Ok. Donc, premièrement, on précise d'abord la méthode ManyToManyChange. Ok. Après, c'est ici, on va dire sender égal. Ok. Maintenant, celui qui va envoyer ça, c'est order. Order. Maintenant, attendez, j'importe form.model import order. Orders. Ok. Maintenant, il y a quelque chose à augmenter ici. Ok. En fait, le many to many, c'est avec quel attribut de orders. Ok, parce qu'il faut préciser cela. On voit que c'est car. Ok, donc on va venir ici, on va dire truth car. Ok, mais c'est, on va pas dire truth car, mais on va dire, en fait, c'est truth car. En fait, ce qui se passe, donc à travers l'attribut voiture au car. Ok, mais cette fois-ci, on va plutôt mettre car truth. Ok, car truth. J'espère que c'est clair. Ok, donc il faut préciser lorsque ça veut le many to many, quel attribut vraiment à ce many to many. Ça joue sur qui? Ok, donc maintenant que nous avons fait cela, ce que nous allons faire ici, c'est de créer une fonction. Ok, nous allons créer une fonction. On peut appeler cette fonction là many to many change. Many to many change. Voilà. Calculate. Calculate. Voilà. On a besoin d'un sender, d'un instance, d'un action et d'un keywords argument. Il y a juste besoin du keywords. Voilà. Voilà. Maintenant ici, je vais dire quantité égale à 0. Ok. Je vais dire la variable c'est quoi? Total price. Ok. Total price. Le prix total. Je vais dire prix. Pardon. Total. Total price. Égal aussi à 0. Ok, maintenant je vais dire for car int. Ok, pour voiture dans instance. Ok, instance dot car. Ok, pour que ça ne nous dérange pas, je vais venir ici, je vais mettre car avec s pour que vous puissiez comprendre. Je viens ici, donc je mets ce K avec S, ici avec S, dot K, dot all. Donc en fait, c'est quoi? Je récupère toutes les voitures que l'utilisateur a sélectionnées. Ok? Lorsqu'il est en train de remplir, je récupère toutes ces voitures, en fait. Ok? Dot all. Là maintenant, on va dire quantité. Donc chaque fois que je fais le for loop, j'incrémente dans la quantité. Quantité plus égale 1. Maintenant, total price. Total price égale. Maintenant, pour accéder au total price, qu'est-ce que je fais? Je vais donc prendre K. K, c'est là. Qui est. Qui doit être lié à cette classe K. Si on part dans cette classe K, dans ce modèle, pardon, voiture modèle, on va voir qu'il y a quoi? Price. Ok, chaque voiture a un prix. Ok, donc je ferme, je pars dans signal. Ok, donc je en fait on va dire
on va dire plus, donc on va calculer plus car dot price. OK? Donc plus car dot price en fait. OK? Pour chaque voiture, c'est car qui est une instance du many-to-many. OK? C'est le many-to-many en fait, mais le many-to-many là est relié à car, à voiture, pardon. Oui, et voiture a pour attribut price qui donne le prix de chaque voiture. C'est ça qu'on augmente ici. OK? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je vais écrire ici instance dot quantité égale à quantité. OK? Instance dot total price. Lorsque je dis instance, j'espère que vous connaissez de quoi je parle. En fait, c'est de l'objet qu'on est en train de créer à l'instant T. Total price. Et l'objet qu'on sera en train de créer là, ça serait l'utilisateur en train de choisir ses différentes commandes. Ou bien en train de faire sa commande en fait. OK? Voilà. Donc, si on part, on essaie de regarder ça. Donc, avant tout, on va d'abord faire migrate. Je viens ici, on fait d'abord ça, après on fait ça. Donc, on va aller au niveau d'ici. Voilà, si on regarde là, on va voir Audace. OK, si on clique sur ça, il n'y a rien. Si on passe sur Add, OK, vous allez voir le Many to Many. OK, donc si ici, j'entre le nom de l'ordre, Audace One, par exemple. OK, ici, je choisis par exemple celui-ci. Donc directement ici, ça doit calculer la quantité et le prix total. OK? Donc si je clique là, Save, Continue, on regarde. Bon, sûrement il y a un souci. On va regarder notre code. OK? Le souci, c'est ici. OK? On doit affecter ça comme ceci. Et on doit dire instance dot save. OK, l'instance, c'est ce qu'on est en train de travailler dessus. En fait, c'est l'objet order qu'on doit enregistrer. OK, donc si on rentre, et voilà, ici, je reprends. OK, il n'y a pas toujours cela. Celui-ci n'est pas là, ce non plus. Quel est le souci? Instance .qt, on regarde si c'est vraiment ça. Quantité, oui, total price. OK. OK, bon. Nul égale à true. Oui, self.nil. Ici, c'est bon. C'est quoi le souci? Calculer senda, oui, il y a senda, il y a instance, il y a action, il y a keyword. Voilà, to senda car the truth, oui, pas de souci. Bon, on va reprendre, voir, on va reprendre. OK, on va reprendre. Donc, je vais supprimer ça. Pour qu'on reprenne voir. Order. Order want. Je prends ça et ça. Et ça peut-être. Voilà. Voilà. Vous voyez ici que ça a calculé. OK. On a nos prix. Vous voyez qu'ici c'est 2. OK. Ici c'est 200. OK. Si j'essaie d'augmenter quelque chose là, peut-être celui-ci, donc là maintenant, si j'augmente à 3, je clique sur Save. Et on regarde. Vous allez voir ici que ça augmente. J'ai maintenant 300 ici, selon les prix d'objets qui étaient là. Si j'augmente un objet,
Voilà, je mets le nom ici, lame 4. Lame 4. Et je mets son prix peut-être comme ça. Le burst, je mets celui-ci et j'enregistre. Voilà, maintenant on a lame 4. Ok, donc si je choisis juste, je choisis tous les 4 et je fais save. Vous regardez là, vous allez voir qu'ici on a 4 directement. Ok, si j'enlève, je choisis maintenant plutôt 1 et j'enregistre. Pourquoi à 1 ça ne marche? Attends, j'ai pas choisi ou quoi? Oh, attendez, on dirait que j'ai pas choisi. Attendez, on ouvre. Ok, si je choisis 1, ok, vous voyez bien que là c'est 1. Si je choisis 1, je clique là. Vous allez voir que on a 1. Si je choisis 2, je clique là. Vous allez voir que on a 2. Et si je choisis plutôt sur le dernier, c'est qu'on a entré. Et je clique là-dessus. Ok, vous allez voir qu'on a 1 et on a son prix. Ok, voilà. Donc, c'est à ça que c'est. Et vous voyez que c'est très intéressant pour le. Voilà, ici on peut faire l'utilisateur augmenter, retirer, ainsi de suite. Ok, ainsi de suite. Donc, c'est bon pour le truc en fait. Pour un site de e-commerce, ok, pour faire ce genre de truc. Voilà. Donc, maintenant, on va rentrer au niveau de Visual Studio Code. Ce qu'on voulait encore faire, c'est une relation entre commande et vente. Mais on n'a pas encore travaillé sur vente. Donc, allons créer vente rapidement. OK. Allons sur vente. Donc, je ferme d'abord tout ceci. Voilà. On va aller sur vente. Voilà, nous sommes ici. On va aller dans modèle d'abord. Classe. Ici, on va appeler cette classe vente sell. On va appeler comme ça model.model. OK. Pardon. Ok. Ce qui ici, on va faire une relation entre ça et la commande. Ok. Et la classe des commandes. Donc, ce qui veut venir ici, je me dis order égale à model.foreignKey. Foreign key, qu'est-ce que j'ai écrit? Foreign key, et là je vais mettre order. Et je vais l'importer from command.model. Ok, import orders. Ah, bon, j'avais pas mis ceci. Bon, on delete égal à model.cascade. Ok, model.cascade. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher amount, le prix total de la vente. On va dire model dot positif integer tout simplement. Et après on va qu'est-ce qu'on va faire. Bon, je pense que c'est tout hein. On peut laisser comme ça. On peut faire donc diff self return surf dot
order ou bien amount. Alors on peut retourner amount. Ok, maintenant que ceci est fait, ok, ce qu'on veut faire c'est ce qu'on veut faire c'est quoi, voilà, essayer de relier les deux. Tous ceux qui ont été achetés viennent directement à ce niveau, au niveau de vente, ok. Donc ce qu'on va faire, pour que je il faut que je précise, c'est que une commande ici là, lorsque l'utilisateur a commenté, on va sous-entendre qu'il a acheté, ok. Donc on va envoyer cela dans la table ci. En fait, on va envoyer le prix dans la table ci directement. Ok, on va envoyer le prix dans la table ci directement. Ok, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voici son modèle. Il y a ceci qui est relié à l'outil order directement. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer sur order parce que c'est order qui doit être le sender. Ok. Lui, il est le receiver. Seul doit être juste le receiver. Donc, si je viens ici, ouais, order, command, je pars dans signal. Ok. Lorsque je suis ici, donc, je fais un receive. Receive. Ou un receiver. Ici, on va dire post. Post save. Bon, j'importe ça. Post save. Ok, maintenant on va dire sender égal à sender égal à order. Ok, voilà. Maintenant on va créer une fonction ici, on va dire div post save sort. Ok, maintenant ce qu'on va faire, sender simplement instance, tout simplement, on peut faire created et on peut mettre keywords argument. Ok, deux points. Maintenant ici on va accéder à l'objet. Ok, donc on va dire objet égal, donc on va créer un objet directement. Ok, donc ici on va dire ouais cet endroit, donc cette classe s'appelle encore comment, je l'ai oublié, c'est serves. Ok, donc on va créer un objet de serve, serves, voilà, j'espère que ça a importé, voilà c'est ça ici, vente, tout ça, serves. Ok, donc serves dot. Donc ici on va dire object dot get or create. En fait on va utiliser le get ou le create. Je m'explique. En fait lorsque l'utilisateur modifie sa commande, il faut que ça modifie ici là. Ça veut dire que c'est le get. Ok. Lorsque l'utilisateur vient de créer, ça crée. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça que je dis get or create. Ok? Et là, je mets ça. Ok? Maintenant, on va dire order égal à instance en fait. Parce que c'est l'ordre qu'on est en train de créer. Instance tout simplement. Maintenant, on va dire object.amount égal à instance dot total
total price. OK? Total price. Parce que instant, c'est l'ordre qu'on a créé et l'ordre qu'on a créé a un total price. OK? C'est ça qu'on affecte à amount. OK? Maintenant, là, on peut faire object.save. Donc, si je viens ici pour vérifier, voilà, c'est amount, c'est bien écrit, j'espère. Amount. Maintenant, on va aller dans le modèle de commande. On va monter un petit truc qu'on va utiliser pour la dernière partie. Donc, je vais augmenter activate égale à model dot boolean field. Default égale à true. OK? Pour dire que cette commande est activée. OK? Je vais vous expliquer quand on arrivera là. OK? Dans un instant. Donc, ici, c'est bon. Donc, on va faire une migration d'abord. Voilà. Migrate. Voilà. Si on vient ici. Pardon. Si on vient ici. OK. Si je viens là, par exemple, je recharge. Ou bien, si je pars d'abord ici, on part à Room. On essaye de voir si on a vente. Déjà, on n'a pas vente parce qu'on n'a pas enregistré. Donc, je vais aller dans Admin et enregistrer cela. OK, on n'a pas enregistré. Donc, je vais dire from dot model. Import seul. OK, on va dire admin.site.register. OK. Maintenant, si on arrive ici en réactif, voilà, vous allez voir vente quelque part. Maintenant, regardez, si j'ouvre vente, il n'y a rien. OK, il n'y a rien pour l'instant. Maintenant, si je pars au niveau de commande, je fais une nouvelle commande. OK. Ici, je mets order 2. Order 2. Je choisis, par exemple, ces deux produits. OK. Vous voyez que par défaut, c'est activate. OK. J'enregistre. Non nul contraint vans of amount. OK. On a cette erreur à cause d'ici dans le modèle. Ici là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire blank parce que comme on veut que ça soit automatiquement fait, on va dire blank égale à true. On peut dire null égale à true. OK. Donc, si je rentre là, on recrée l'autre. OK, j'ai dit order true. Je choisis ça et ça peut-être. Et je clique ici. Ah bon. On a oublié de faire quoi? Le migration. Ah là là. Sorry for that. OK, on n'avait pas fait ça. Donc on va reprendre. On va entrer l'autre. Order. On va prendre peut-être ça et ça. OK. On va faire un save. On va topper
as not object amount. Donc apparemment, on a un souci avec object égale à sal amount instance égale à ça. Bon, on va juste copier ça. Hein. Je copie. Je viens ici. Je colle ça. Ok. Donc. On nous dit ici, tuples object has no attribute amount. Donc on va reprendre org 2. Ici on va choisir ça. On a toujours cette erreur. Amount. Sales order. Order égale à instance. Objet égale à cell.get or create. En fait, je vais mettre un petit truc ici, comme ceci. Ok, je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, je vais voir si c'est ça le problème, hein, avant de vous expliquer. Donc, je prends ça. Voilà, c'était ça le problème en fait. Ok. On a bien nos trucs. Voilà, ça a calculé ici. On va aller voir de l'autre côté si ça nous a donné ce qu'on voulait. Donc, on va aller dans Others. Ok. Si je pars dans Others, vous voyez que ça a récupéré même le Others qui était déjà là. Pardon, je vais dire dans Sales. Voilà, bon, ça n'a pas récupéré. Donc, dans Sales, on a ce nombre, le 100 en question. Return non string type. Ok. Modèle. Ok. Voilà, vous voyez que ça a récupéré l'ordre, ça a récupéré le prix. Ok. Maintenant, si je rentre ici, je prends l'ordre, c'est l'ordre 2, je change le prix. Ok? C'est ça, il a plutôt ça maintenant, j'enregistre. Si on regarde le prix, ça vaut combien maintenant? Ça vaut 300. Ok? Si on peut regarder au niveau de Audas, au niveau de Source, vous voyez 300 directement. Ok, donc ça récupère ce prix directement et c'est toujours cette ordre. Ok, si on diminue, ça va diminuer. Si on augmente, ça va augmenter. Donc en fait, la variable si que il faudrait augmenter au niveau de signal, cette petite variable, en fait, c'est à cause du get et du create. Ok, l'objet, il est bien vrai que ici, donc on est en train de manipuler le create. Le get create, donc il faut préciser ce petit underscore. Mais si vous ne comprenez pas, mettez-le juste. Ok, c'est ça qui causait le petit souci en question. Maintenant, on va faire la dernière partie qui est celui de supprimer quelque chose. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que si vous regardez sur order, lorsqu'on regarde une commande, on voit que c'est activé. Mais ce qu'on veut faire maintenant, c'est si on passe sur suivante, on supprime, on veut que ça soit désactivé directement. Donc, pour dire que si cette vente, si
cette commande n'est pas ici, ça veut dire que c'est pas, ça n'a pas été activé. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, si je pars à ce niveau, au niveau de vente, donc, je vais d'abord fermer le signal ici. On va rester dans vente. OK? Voilà. On va rester dans la vente. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partir dans App. Ici, je vais mettre un div ready. Et ici, je vais mettre self. Voilà. Import vente.signal. OK. Je vais créer un fichier ici. Cancel. Je vais créer un fichier ici que je vais appeler signal.py. Maintenant, je vais aller au niveau de ça. Je vais copier ça. OK. Je vais aller au niveau de ceci. Je vais faire form. Pardon. Default app config égal à vente vente apps et celui-ci. OK, maintenant je vais aller au niveau du signal. On dit from django.db.model.signal import pre-delete. OK, on va importer le pre-delete. Maintenant, on va faire from django.dispatch import receiver. Donc ici on va faire receiver, pardon, pas reverse, receiver. OK, on va dire pre delete sender. Alors si le sender c'est maintenant seul, OK, parce que c'est ce seul qu'on va supprimer sur vente. OK, ici je vais importer ça from model import, pardon, import seul. OK, maintenant on va dire diff diff, ici on va dire pre delete orders. Donc ici on a besoin d'un sender. OK, on a besoin d'un sender. Voilà, de quoi encore, de l'instance. What again? On a besoin keywords arguments. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc maintenant que nous avons cela, ce qu'on va faire. Attendez voir. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'accéder à l'instance. OK? On va essayer d'accéder à l'ordre en fait. OK, vu que ce modèle est connecté à ODAS, on va essayer d'accéder à ODAS simplement. Donc ici, on va dire object égal à instance. Instance, c'est vente, la vente.
OK? Ici, on va dire .orders. OK? Instant.orders. Lorsqu'on fait instant.orders, order, ça nous donne directement ça, qui est directement l'ordre. Donc, directement, on est à l'ordre déjà. OK? Maintenant, ici, on peut dire object.activate égale à false. Vous rappelez, ici, j'avais mis, si on part d'avant, dans autre, pardon, j'ai mis activate. OK? Tout simplement. Maintenant, ici, égale à false. OK? Maintenant, on va dire object.save. Tout simplement. Object.save. Donc, si je viens ici, voilà. Si je viens ici, voilà. Si j'actualise, on est ici. Si je supprime ça, OK. Si je supprime, avant que je ne supprime, rencontre d'abord ici, on passe sur ordre. L'ordre 2. Vous voyez que à l'ordre 2, c'est comment? C'est activate. OK. Donc, si je rentre, je passe sur sol. Je supprime ceci. Je supprime. Et si on rentre sur orders, on regarde cet ordre. C'est toujours là. C'est toujours là en fait. Donc, on va regarder. Je prends peut-être ceci. On va enregistrer. Voilà, on a ça, on a le prix. On va aller sur seul. Voilà, on a ce prix. Donc, je vais regarder pourquoi ça n'a pas supprimé. On a prix delete, send as a source. Maintenant, on a ça, object.order. Activate. J'espère que c'est bien écrit. Activate. OK, c'est différent. Ici, il n'y a pas de C. OK, il n'y a pas de C. J'avais mal écrit ici. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici, en fait. Voilà. Donc, on va aller réessayer. Donc, je viens ici. Je supprime ça. On va aller regarder. Orders. On va regarder à ce niveau. Vous voyez que c'est désactivé. OK? C'est désactivé. Donc, si on vient ici, on recrée quelque chose ici. Peut-être ici. Enfin, safe. Voilà. On a les trois produits à 300. Si on vient au niveau de sol, on a ce produit à 300 qu'on vient de modifier. Donc, si je fais, je supprime ceci. Yes, voilà. Je passe sur order. Je regarde le produit à 300. C'était celui-ci. Si on regarde, on voit que c'est désactivé. OK. Maintenant, avant qu'on ne parte, il y a un truc que je voulais vous montrer. C'est au niveau d'ici que j'ai oublié. Donc, si on rentre sur commande, voilà, commande, voilà, c'est ici. Donc, oui, signal, voilà. En fait, il y a ce truc de action que je vous ai pas expliqué. OK, si je viens ici, je fais print action. OK. Et on voit ce qui va se passer. OK. Donc, je suis ici. Donc, j'enlève ce que j'avais d'abord pris. Je prends juste les deux sims. Donc, j'ai enlevé et j'ai augmenté quelque chose. OK. J'ai enlevé et j'ai augmenté quelque chose. Donc, et je coche ici. OK. J'appuie ici save. Voilà, vous voyez que
on a ce prix. Si on regarde dans le terminal, regardez ici, on a prix remove, ok, on a post remove, on a prix add et on a post add, ok. Donc, en fait, on a augmenté et on a retiré. En fait, c'est de ça qu'on parle. Ok, on a augmenté et on a retiré. C'est ça l'action en fait. Ok, donc, et vous pouvez toujours prendre cette action. Déjà, si par exemple, si je reviens ici, donc vous pouvez faire if sur l'action. Hein. Si je reviens ici, je mets seulement ça. Et je prends ça, par exemple. Je remets ça et je remets ça. Dans les deux, le premier, le dernier était là, j'ai augmenté juste le troisième. Donc je clique ici, save. Voilà, si on regarde, vous allez voir ici pre-add, post-add. Ok, pre-add, post-add. Ok, parce que j'ai juste augmenté, je n'ai rien retiré. C'est pour ça que ça dit pre-add, post-add. Donc vous pouvez bien venir ici là. Vous pouvez bien venir ici par exemple, vous dites if. Ok. If action égale à post égale à post at or action égale à pre at ok, c'est à l'heure là qu'on peut faire ceci. Pardon, qu'est-ce qu'il fait? Ça là, là. Qu'on peut faire ceci. Ok. Maintenant, si je pars, je refais quelque chose. Par exemple, regardez, si j'augmente celui-ci. Ok. J'augmente celui-là. Je fais save. Ok. Tout s'est bien passé. On a le prix. Si on regarde au niveau terminal. On a quoi ici? Post, on a toujours ce pre-add et post-add. Ok, vous voyez un peu. Voilà, donc si l'action est égale à ça ou bien c'est égal à ça avant qu'on fait ça. Ok, et là maintenant, si je viens ici pour connaître quelle action a été faite, je coupe ça là-bas. Je viens plutôt ici, je fais un print. Ok, pour savoir quelle action a pris lieu, si c'est le post-add ou le pre-add. Donc, si j'enlève par exemple ça, bon, je laisse tous les autres, j'enlève celui du milieu là. Ok, si on regarde ici, si on regarde, est-ce que quelque chose a même pris? Action, non, il n'y a pas eu d'action. Print action, post add ou pre add. Donc je reprends voir. Donc attendez, on regarde encore terminal à voir. Post add, pre add. Voilà, donc si je mets celui-ci, je mets tout ça, je fais save. Si on regarde là, voilà, vous voyez qu'il y a pré-add, il y a post-add. Ok, voilà, les deux en fait, il y a eu pré-add et post-add. Maintenant, si je viens maintenant, je prends juste, j'enlève celui-ci. Donc, en fait, je prends ça, j'ai enlevé le premier. Non,
Et en fait, pré-add toujours post-add. En fait, ça en fait parce que vraiment, je voulais vous montrer. En fait, option égale à pré-add. Bon, ce que je vais faire, c'est post-add or post-remove. Ok. Laissez-moi regarder encore. Voilà, je prends celui-ci. Je fais un save. Et là, on regarde. Voilà, vous voyez qu'il y a eu un post remove. Ok. Il y a eu un post add au même moment. Ok. Donc, on a retiré quelque chose en fait. Ok. Maintenant, si je viens, je mets celui-ci. Et j'appuie là. Voilà, ça fait maintenant ce que je veux. Vous allez voir qu'il n'y a seulement post add uniquement. Il n'y a pas de post remove. Ok, il y a seulement le post add. Ok, maintenant si je repars, j'enlève celui-ci. Pardon, j'enlève celui-ci. Et je fais un save. Ok. Vous voyez, il y a uniquement post remove. Ok. Un post remove. Donc, et voilà. C'est ça un peu l'introduction au signal. Ok. C'est un concept très très avancé. Vous pouvez créer aussi vos propres signaux. Donc, c'est un concept très intéressant et voilà qui peut vraiment rendre votre application très jolie. Ok? Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si il vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. Le lien vers le code source est dans la description. Merci.